Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance. Nous voici rendus à la troisième séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Madame Bendegue Alexandrie Julia, enseignante de SVT. Alors, nous travaillons pour les niveaux de classe de 4e et avant d'entamer notre troisième leçon, nous allons commencer à corriger les exercices que nous avons donnés à la deuxième séance. Alors, nous y allons avec l'exercice 1. Nous lisons. Les animaux zoophages se nourrissent d'aliments d'origine animale, tandis que les phytophages choisissent la nourriture d'origine végétale et pour le régime omnivore, ils mangent indifféremment de la nourriture d'origine animale ou végétale. Le document présenté à l'écran montre les différents aliments dont se nourrissent le hérisson d'Afrique. Alors, à partir du document, il t'est demandé de déterminer le régime alimentaire du hérisson. Alors, nous voyons que, sur le document, le hérisson se nourrit à 80% d'insectes, de limaces, d'escargots et de vers de terre. Tous ces aliments que nous venons de citer sont d'origine animale. Nous voyons également que le hérisson peut consommer des graines et des fruits à 15% de son alimentation. Nous voyons également que graines et fruits sont des aliments d'origine végétale. Le hérisson se nourrit également à 5% des œufs. Alors, les œufs sont d'origine animale. Quelle est la conclusion donc à laquelle nous arrivons? Nous arrivons donc à la conclusion que le hérisson a un régime omnivore, puisqu'il se nourrit des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Nous passons à la deuxième question. À partir du document, indique deux animaux qu'on ne doit pas élever dans le même espace que le hérisson. Justifie ta réponse. Alors, lorsqu'on revient sur le document, nous voyons, nous l'avons dit, que le hérisson mange des œufs. Or, les œufs sont produits par les poules ou alors les oiseaux. Et on voit également que le hérisson se nourrit des escargots. Alors, nous comprenons donc que lorsque nous élevons les hérissons, il n'est pas commode de faire en même temps l'élevage des poules parce que les hérissons vont se nourrir de leurs œufs, ni l'élevage des escargots parce que les hérissons se nourrissent des escargots. En élevant les deux types d'animaux dans le même espace, cela pourrait entraîner une baisse de la production des autres élevages parce que les œufs et les escargots sont les proies des hérissons qui sont leurs prédateurs. Deuxième exercice. Exercice 2 donc. Recherche les aliments consommés par la microflore du sol et complète le tableau suivant. Alors ici, il est question de savoir que mange le lombric et de déduire son régime alimentaire. Alors le lombric, lui, va manger les feuilles et les brindilles. Alors, cela veut dire qu'il a un régime herbivore. L'escargot se nourrit des végétaux vivants comme la laitue, les feuilles de salade, de choux. Alors, l'escargot est donc herbivore. Nous avons le scorpion qui se nourrit des insectes rampants. Alors, on va conclure que le scorpion a un régime carnivore, ou précisément insectivore, puisqu'il se nourrit des insectes. L'iule se nourrit des vers.
Alors, il a un régime aussi carnivore. Les colporteurs se nourrissent, eux, des champignons. Ils ont donc un régime herbivore. Et pour finir, nous avons les termites qui se nourrissent du bois. Ils ont donc un régime xylophage par rapport à ce que nous avons dit dans la séance précédente. Alors, nous avons terminé avec la correction des exercices. Nous allons donc passer à notre leçon du jour. Donc, elle fait partie de la séquence 2 qui porte sur l'origine de la matière des êtres vivants. Alors, cette séquence comporte une seule séance qui est intitulée « La production de la matière animale et végétale ». Alors, nous disons donc que séance 3, la production de la matière animale et végétale, qui sera présentée suivant le plan que vous avez à l'écran. Nous aurons une introduction comme à l'accoutumée, dans laquelle nous allons proposer les objectifs, les prérequis de la leçon, ainsi que notre situation problème, qui nous permettra de déceler le problème scientifique, et nous allons proposer des hypothèses. Ensuite, nous aurons deux grandes parties dans notre leçon. Nous aurons la première partie qui porte sur la production de la matière végétale et les paramètres de croissance des végétaux, et la deuxième partie qui va porter sur la production de la matière animale et les paramètres de croissance des animaux. Nous allons conclure avec une évaluation pour vérifier l'acquisition des connaissances, avec la vérification des hypothèses et avec des exercices que vous pourrez faire à la maison. Alors, quel est l'objectif de cette leçon? À la fin de cette leçon, l'apprenant devra être capable de mesurer les paramètres de croissance d'un animal et d'un végétal. Alors, avant d'aborder la leçon, l'apprenant doit se souvenir de la reproduction des végétaux et des animaux. Alors, nous savons, nous l'avons vu dans les classes antérieures, que chez les végétaux, il existe deux modes de reproduction. Nous avons la reproduction sexuée qui se fait par la graine, comme nous pouvons l'observer sur le schéma à l'écran. Nous avons des graines qui sont plantées. Ensuite, nous avons la graine qui va germer et la plante va grandir progressivement pour donner des fruits, comme nous pouvons le voir. Et maintenant, nous avons également la reproduction asexuée qui se fait à partir des fragments de l'appareil végétatif de la plante. Chez la plupart des animaux, la reproduction va se faire uniquement par le mode sexué. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir là, nous avons une chienne qui a donné naissance, qui a mis bas à des petits chiots. Donc, que ce soit chez les plantes, que ce soit chez les animaux, la reproduction aboutit toujours à la naissance d'un individu plus petit qui doit croître, qui doit grandir pour arriver à arriver au stade adulte. Alors, nous allons passer à la situation problème. En se baladant dans la cacaoyère de son grand-père, Mallette se dirige vers un vieux tronc d'arbre coupé pour s'y asseoir. Alors, voilà le vieux tronc d'arbre coupé que nous observons à l'écran. Alors, il remarque qu'il y a sur ce tronc de nombreux cercles. Et il demande à son frère aîné qui les a tracés. Celui-ci lui répond qu'ils se sont formés naturellement et permet d'évaluer l'âge du végétal. Mallette est très surpris et ne comprend pas comment de simples cercles sur l'arbre peuvent indiquer son âge. Ce qui nous permet donc d'arriver à notre problème scientifique qui est le suivant. Quels sont les paramètres permettant de mesurer la croissance d'un végétal et d'un animal? Alors, nous vous proposons les hypothèses suivantes et à la fin de la leçon, vous devrez être capable de les infirmer ou de les confirmer. Alors, première hypothèse, les plantes et les animaux ne croissent pas de la même manière. Deuxième hypothèse, la taille de l'arbre augmente avec le temps et les cercles se forment sur le tronc quand l'arbre augmente de volume. Hypothèse suivante, les animaux augmentent de poids et de taille avec l'âge. Alors, nous passons directement à la première partie de notre leçon, qui est la production de la matière végétale et les paramètres de croissance chez les végétaux. Nous allons étudier un premier point de croissance, qui est la croissance en longueur. Alors, nous passons à une première activité donc. Les élèves de la classe de 6e ont mené une expérience sur la germination du haricot.
Le 5 mai 2019, ils ont planté des graines de haricots qu'ils ont régulièrement arrosées pendant 20 jours. Alors, voilà, nous avons à l'écran l'image qui nous présente, n'est-ce pas, les différentes étapes qu'ils ont observées pendant la germination de ce haricot. Alors ici, nous avons le 5 mai. Pendant 20 jours, c'est nous qui nous amène ici au 25 mai. Alors, la première question, c'est décrire l'évolution de la tige du haricot au cours du temps. Ensuite, propose une explication pour montrer l'évolution de la tige du haricot. Troisième question, indique ce que les plantes fabriquent comme matière au cours de leur croissance. Alors, on va utiliser le document qui est à l'écran afin de pouvoir répondre aux différentes questions. Ici, nous voyons donc pour la première question que la plante va augmenter progressivement de taille au cours de la croissance. Donc, pendant les 20 jours, lorsqu'on passe du grain de haricot que nous voyons ici à une plante qui s'est formée, nous voyons qu'il y a eu augmentation de la taille. Nous voyons qu'il y a eu des nouvelles parties qui se sont formées. Nous avons des feuilles qui n'existaient pas avant, qui existent déjà. Nous avons des racines qui sont devenues plus longues et plus grandes. Voilà à peu près ce que nous montre le document par rapport à l'évolution de la tige du haricot. Alors, on demande de proposer une explication pour montrer qu'il y a eu évolution. Alors, ce que les élèves de la classe de 6e ont fait, c'est qu'ils mesuraient chaque fois, n'est-ce pas, la longueur de la tige du haricot. Alors, vous avez sur le schéma, n'est-ce pas, des traits interrompus en couleur blanche. Ici, nous voyons que le 10 mai, nous sommes passés de la graine de haricot qui a été semée au 10 mai à cette longueur qui a été mesurée. Ensuite, nous avons ici le 12 mai, nous voyons qu'il y a une légère augmentation. Ensuite, nous avons le 15 mai, quand nous faisons la différence, nous voyons qu'il y a également augmentation. Par la suite, nous avons là le 20 mai, nous voyons qu'il y a eu non seulement formation des feuilles, mais il y a également augmentation de la longueur de la tige. Et le 25 mai, la plante a encore augmenté un peu plus. Alors, donc, en mesurant donc la longueur de la tige, nous pouvons montrer que la tige de haricot a effectivement évolué. Alors, troisième question, indique ce que les plantes fabriquent comme matière au cours de leur croissance. Alors, si nous observons bien le document, nous voyons qu'au départ, nous avions un grain de haricot, tout simplement. Au fur et à mesure que le temps passe, il y a des racines qui se sont formées, il y a une tige qui est sortie, et ensuite nous avons des feuilles qui ont apparu, et ici nous avons également un bourgeon, ainsi de suite. Nous voyons donc que la matière que la plante fabrique au cours de sa croissance, non seulement il y a la tige qui augmente de volume, il y a les feuilles qui se forment et il y a les racines. Tout cela constitue de la matière organique qui a été fabriquée par la plante grâce à la matière minérale qu'elle a puisée dans son milieu de vie. Alors, maintenant, nous allons passer à un deuxième élément de croissance, c'est la croissance en épaisseur. Alors, on nous dit ceci pour l'activité. Voici la coupe transversale d'un tronc d'arbre. On observe que chaque année, une couche de bois se forme sur l'écorce et entoure la couche de l'année précédente. Plus le tronc est vieux et plus gros, plus il y a de couches. Alors, chaque couche constitue ce qu'on appelle une cerne. Nous avons là notre tronc d'arbre que nous observons. Alors, première question, pourquoi le tronc s'épaissit-il chaque année? Deuxième question, donne le nom de la matière produite par un tronc d'arbre. Troisième question, évalue l'âge de cet arbre. Alors, on nous pose la question de savoir pourquoi le tronc s'épaissit chaque année. Nous savons que la plante va grandir. Alors, si la plante grandit, c'est pour ça qu'il y a augmentation du diamètre de sa tige qui forme donc le tronc de l'arbre. C'est pour ça que le tronc s'épaissit chaque année. Donc, le tronc s'épaissit parce qu'il y a croissance de la plante. La plante va augmenter de diamètre. Alors, donne le nom de la matière produite par un tronc d'arbre. Le tronc augmente et il forme ce qu'on appelle le bois. Le bois qu'on utilise pour faire la cuisine de manière traditionnelle est produit, n'est-ce pas, par la plante, par les troncs d'arbres. Alors, on demande d'évaluer l'âge de cet arbre.
Nous avons suivi dans le texte que nous avons lu au départ que chaque année, une couche de bois se forme sous l'écorce et entoure la couche de l'année précédente. Plus le tronc est vieux et plus il est gros, plus il y a de couches. Et chaque couche constitue ce qu'on appelle donc une scène. Cela veut dire donc quoi? Logiquement, en comptant le nombre de couches concentriques qu'on retrouve sur un tronc d'arbre, on peut, de manière certaine, évaluer son âge. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Lorsque donc, nous observons donc la couche du tronc que nous avons à l'écran, nous allons compter. Nous avons une première couche là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, en conclusion, notre arbre, donc, puisqu'il y a 20 cercles, 20 cernes, alors nous pouvons conclure que notre arbre est âgé de 20 ans. Parce que chaque année, il y a une nouvelle couche qui se forme et entoure celle de l'année précédente. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir en ce qui concerne la croissance chez les végétaux? Nous disons donc que le phénomène par lequel le végétal ou l'animal grandit s'appelle la croissance. Alors, cette croissance est évaluée chez les végétaux par trois paramètres. Nous avons la taille, le poids ou la masse, le volume ou le diamètre. Alors, la vie de toute plante possède un début qu'on appelle la germination, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur le document que nous avons étudié, et une fin qui est la mort. Entre les deux étapes, le végétal va développer son appareil végétatif, c'est-à-dire ses racines, sa tige et ses feuilles. Il va croître et il va se reproduire en produisant des fruits. Alors, au cours de la croissance, donc, les végétaux vont augmenter de taille et d'épaisseur. Au niveau de la tige, au niveau des feuilles, au niveau des racines. Donc, à partir de la matière minérale ou organique pour les végétaux non chlorophylliens, comme nous l'avons dit dans les séances précédentes, qu'ils vont prélever dans le milieu, ils vont donc produire leur propre matière organique afin de pouvoir se développer. Ils produisent ainsi leur propre matière. On dit donc qu'ils sont des producteurs. Alors, un producteur, c'est quoi? Un producteur, c'est un être vivant qui produit sa propre matière à partir de celle qu'il prélève dans son milieu de vie. Alors, la croissance des végétaux est continue tout au long de leur vie. Elle est illimitée dans le temps et se fait durant toute la vie du végétal. Continue, ça veut dire que ça se fait de manière permanente, il n'y a pas d'arrêt. Au fur et à mesure que le temps passe, le végétal continue. Illimité, ça veut dire que jusqu'à ce que la plante va mourir, elle continuera de grandir. Donc, même si un arbre a 100 ans, il continue d'augmenter de diamètre, il continue d'augmenter de longueur. Alors, chez beaucoup de plantes, il existe ce qu'on appelle la double croissance. Nous avons la croissance en longueur, qui permet l'allongement de la racine et des tiges. Nous avons la croissance en épaisseur, qui permet une augmentation du diamètre de la racine, de la tige. Donc, voilà les deux phénomène de croissance qu'on observe en longueur et en épaisseur. Alors, nous allons passer maintenant chez les animaux parce qu'il est bien question de savoir comment, n'est-ce pas, quels sont les paramètres qui permettent de mesurer la croissance d'un végétal ou d'un animal ou alors de manière générale d'un être vivant. Alors, nous avons pris deux cas de figure. Nous avons commencé par un premier cas de figure chez les escargots. Alors, un héliciculteur, c'est-à-dire celui qui élève les escargots, a nourri régulièrement ses escargots de feuilles de salade, des tomates, des pommes de terre et de toutes les épluchures qu'il pouvait avoir comme aliment dans sa cuisine. Alors, pendant le même temps, il a observé l'évolution de la masse des escargots et l'évolution du diamètre de la coquille pendant plusieurs mois. Et les résultats sont consignés dans le tableau que vous avez à l'écran. C'est ce tableau-ci. Nous voyons donc qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'héliciculteur a mesuré, n'est-ce pas, non seulement le diamètre de la coquille, mais il a également mesuré la masse de ses escargots. Alors, première question, décris l'évolution de la masse de l'escargot et le diamètre de sa coquille au cours du temps.
Deuxième question, propose une explication pour montrer l'évolution de la masse de l'escargot. Et troisième question, indique ce que les escargots fabriquent comme matière au cours de leur croissance. Alors, nous avons au niveau du tableau pour la première question qui nous demande de décrire l'évolution de la masse de l'escargot et le diamètre de sa coquille au cours du temps. Alors, nous avons donc au niveau du tableau, nous voyons que à 22 jours, nous avons une masse de 0,60 g. À 27 jours, nous avons 0,76 g. Au fur et à mesure donc que le temps va augmenter, nous sommes là à 225 jours, nous voyons que nous sommes déjà à 22,57 g. Nous pouvons donc tirer comme conclusion que au fur et à mesure que le temps passe, la masse des escargots va augmenter. Maintenant, lorsque nous prenons le diamètre de la coquille qui est mesuré en millimètres, après 22 jours d'élevage, le diamètre de la coquille est de 12,72 cm. Lorsque nous sommes à 64 jours, il est de 26,93 et à 225 jours, il est déjà de 47,43. Donc, plus la masse de l'escargot va augmenter, plus sa coquille également va augmenter de diamètre. Alors, nous passons à la deuxième question. On demande de proposer une explication pour montrer qu'il y a eu évolution de la masse de l'escargot. Comme nous l'avons fait pour les plantes, il suffit, n'est-ce pas, de mesurer dans ces différents paramètres. La masse a été mesurée au fil du temps et, n'est-ce pas, le diamètre a été mesuré au fil du temps. Parce que ce sont ces paramètres-là donc qui permettent donc d'évaluer la croissance d'un être vivant. Alors, troisième question, indique ce que les escargots fabriquent comme matière au cours de leur croissance. Lorsque nous revenons sur notre document, nous voyons de manière claire, n'est-ce pas, que la coquille a augmenté. Et nous voyons également, d'après les données du tableau, qu'il y a eu augmentation de la masse, c'est-à-dire de la chair. Donc, ça veut dire que la matière que les escargots fabriquent, c'est la coquille qui est formée de calcaire, de vitamines et autres. Et nous avons la chair, n'est-ce pas, que les escargots fabriquent comme matière organique. Alors, nous allons prendre un deuxième exemple. La croissance chez les poulets de chair. Non, on nous dit que voici une fiche prise chez un fermier pour contrôler la croissance de ses poulets, régulièrement nourris à la provende de maïs. Alors, sur cette fiche, on nous demande de dire ce que représente le graphique. On nous demande également de déterminer les paramètres mesurés et de préciser leur unité. Troisièmement, toujours à partir du document, d'utiliser les informations apportées par la fiche pour montrer que le poulet a produit de la matière. Nous allons donc revenir sur notre document. Sur notre document, nous voyons que à l'axe des abscisses, nous avons l'âge qui est représenté en semaines et sur l'axe des ordonnées, nous avons le poids de la masse des poulets qui est représentée en grammes. Alors, la fiche représente donc l'évolution ou alors la courbe de croissance des poulets de chair ou alors l'évolution de la masse des poulets en fonction du temps. La deuxième question demande de déterminer les paramètres mesurés et de préciser leur unité. Lorsque nous revenons dans notre graphique, nous avons donc deux paramètres. Nous avons la masse qui est mesurée en grammes et nous avons le temps qui est mesuré en âge. Alors, utilise les informations apportées par la fiche du fermier pour montrer que le poulet a produit de la matière. Nous voyons qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a augmentation du poids du poulet. Ça veut donc dire qu'il y a eu augmentation de la chair, il y a eu augmentation des os, des plumes et tous les éléments que nous pouvons citer. Alors cela veut dire donc que le poulet a produit de la matière à partir de la provende dont il a été nourri. Nous retenons donc ceci. Au cours de la croissance, on va observer chez l'animal une augmentation de la masse du poids ainsi que de la taille, ce qui est le résultat d'une croissance en épaisseur et en longueur. Alors, cette augmentation montre que les animaux produisent de la matière, les muscles, la chair, les os, la peau, etc. à partir des aliments qu'ils prélèvent dans le milieu, tout comme chez les végétaux. On dit alors que tous les êtres vivants sont des producteurs.
Alors, la croissance des animaux est continue, tout comme celle des végétaux, c'est-à-dire qu'elle se fait de manière permanente jusqu'à l'âge adulte. Cependant, chez les animaux, la croissance est limitée dans le temps et s'interrompt généralement lorsque les animaux sont capables de se reproduire. Alors, néanmoins, chez certains animaux comme les serpents, les grenouilles, les papillons, la croissance est discontinue et se fait seulement lors des mues ou des métamorphoses. Alors, nous sommes donc à la fin de notre séance et nous allons passer à la vérification de l'atteinte de notre objectif. Alors, première question, définis le terme croissance. La réponse est le phénomène par lequel un animal grandit, un animal ou un végétal grandit. C'est ça qu'on appelle la croissance. Deuxième question, donnez les caractéristiques de la croissance chez les végétaux et chez les animaux. Alors, chez les végétaux, la croissance est illimitée, elle est continue. Chez les animaux, par contre, la croissance est limitée et elle est aussi continue. Mais, dans certains cas, elle est discontinue chez les animaux qui sont à mue ou à métamorphose, comme la grenouille, comme le papillon. Alors, troisième question, citez les paramètres de la croissance chez les êtres vivants. Alors, la réponse est, nous avons le poids, la taille, le volume ou le diamètre. Ensuite, nous passons à la quatrième question. Il s'agit ici de citer les paramètres qui montrent qu'au cours de la croissance des êtres vivants, il y a production de matière. Alors, la réponse est, il y a augmentation de la taille, il y a augmentation du poids, il y a augmentation du volume ou du diamètre, ce qui traduit donc l'accumulation de matière par les êtres vivants ou alors la production de matière. À partir de ce qu'ils ont consommé comme aliment, ils vont fabriquer une autre matière organique. Alors, nous vérifions maintenant les hypothèses que nous avons émises, étant donné que nous avons vérifié l'atteinte de nos objectifs. Alors, les critères de croissance ne sont pas les mêmes chez les plantes et les animaux. Cette hypothèse est fausse parce que nous avons vu que les paramètres de la croissance sont les mêmes chez tous les êtres vivants. Ensuite, deuxième hypothèse, la taille de l'arbre augmente avec le temps. Vrai, chez les végétaux, la croissance est illimitée. Ils croissent toute leur vie et au cours de la croissance en épaisseur, il y a formation d'une nouvelle couche au niveau du tronc qui laisse des marques appelées cernes. Alors, troisième hypothèse, les animaux augmentent de poids et de taille avec l'âge. Hypothèse fausse, car après la maturité sexuelle, la croissance des animaux va généralement s'interrompre. Ok, nous passons donc à la phase des exercices. Voici donc quelques exercices qui te sont proposés, que tu pourras faire à la maison pour t'aider à renforcer tes connaissances. Exercice 1. Nous avons un graphique qui a été tracé à partir de la mesure de la masse d'un veau pendant une certaine période. Les résultats sont présentés par le graphique. Alors, il t'est demandé ceci. Donne un titre à ce graphique. Deuxième question. Quelle était la masse du veau lorsqu'il avait 4 mois? Troisième question. Quel âge avait le veau lorsqu'il pesait 275 grammes? Alors, quatrième question. Décris par une phrase simple l'évolution de la masse du veau au cours des 8 premiers mois de sa vie en utilisant les verbes augmenter, diminuer ou stagner. Une seule phrase. Cinquième question, en déduire qu'il y a production de matière au cours de la croissance. Alors, nous passons au deuxième exercice. Exercice 2. Le tableau ci-dessous présente la croissance d'une plante pendant 13 jours. Nous avons le tableau qui nous montre la taille en centimètres et l'âge en jours. Il t'est demandé une seule chose, tracer la courbe de croissance de la plante à partir des données du tableau. Nous sommes donc rendus à la fin de notre séance de ce jour. La production d'aliments par l'agriculture. À la prochaine. On a tege si ma tege yop, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia ninyane njobyayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege.
kerendong esotina biadinkido manetambia ninyane injo.